Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour un numéro spécial, le 11e de la saison de votre émission 52 minutes chrono, où on reviendra bien évidemment et on fera le tour de l'actualité handballistique, le basket, le volleyball, le goalball également, mais surtout un numéro spécial puisque nous recevons un invité spécial. Il a fait les beaux jours de l'art, le noble art algérien, il avait réussi à remplir les lors des années 70, il a réussi à rééditer cet exploit à l'occasion de son jubilé. C'était samedi dernier à la salle Omnisport de Tizi Ouzou. Vous l'aurez certainement reconnu, il s'agit de la légende vivante de la boxe algérienne, Lossif Hamani, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Eh bien, Lossif Hamani, c'est un honneur que vous soyez parmi nous. C'est la deuxième fois que vous participez à 52 chrono. Marhaba, comment on dit ? Là, c'est le mec, je vous remercie infiniment, monsieur. Voilà, on va revenir sur exploits et surtout sur cet acte de bravoure orchestré de fort belle manière de la part de la Wilaya de Tizi Ouzou, de la DJS. On va revenir en images, il y a eu beaucoup d'émotions. Le temps de présenter notre invité qui a lui également suivi votre carrière, notre ami et mentor Mohamed Haouchin, qui connaît parfaitement bien Lossif Hamani pour avoir suivi sa carrière. Mohamed Haouchin, également un réel plaisir que vous soyez parmi nous. Oui, alors bonjour Mokhtar Hamani. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. C'est un devoir. Parce que ça me fait rajeunir que d'être à côté de Lossif Hamani qui a bercé notre adolescence, il faut dire, il y a quelques années. Et quand vous parlez de légende de la boxe algérienne, moi je dirais encore mieux, légende de la boxe algérienne, de la boxe africaine, de la boxe mondiale, puisqu'il a eu l'honneur de disputer un championnat du monde, il faut le rappeler. Tout comme, et tout à l'heure on va discuter, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir assisté à ce combat historique au Palais des Sports à Paris en 1976, où il va nous le confirmer, notre Lossif national avait pulvérisé le champion américain à l'époque, Emile Griffith. On va revenir bien évidemment sur cette anecdote pleine d'émotions certainement. Vous n'étiez pas le seul à suivre sa carrière. Il y avait Nordine Hani qui est de la même génération, notre consultant maison. Il a beaucoup de choses lui également à dire à propos du grand champion, Lossif Hamani. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir mon ami Mohamed Haouchin. Bonsoir bien sûr à Lossif Hamani. C'est vraiment de la joie. Je ne sais pas comment décrire comment d'être en face de Lossif Hamani. Il a utilisé tous les verbes que je voulais utiliser. Hein. Il a bercé ma jeunesse. Il fallait que je passe avant. Il a bercé notre jeunesse. C'est quand même une légende. Mais moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était sa maman, là, Elhama. C'était elle qui faisait le spectacle. Hein. C'est vrai. On attendait que le dernier coup de gong pour la voir pénétrer sur le ring. Elle doit être fière de vous encore. Alors, Lossif, donc, vos nouvelles tout d'abord pour les téléspectateurs et pour ceux qui, ça fait longtemps, n'ont pas eu de vos nouvelles. Ben, je les remercie infiniment pour ceux qui ont pensé à moi. Pour me faire un jubilé. Très bien. Le monde était plein. La salle était pleine. Et je leur remercie infiniment d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Vous attendiez à une salle pleine comme La salle était pleine, la salle. Oui. Vous attendiez à un tel accueil de Non, je m'y attendais, mais pas aussi grande que ça. Et ils étaient venus, ils étaient tous là, même les artistes, même les acteurs. Ils sont venus de Biskra, d'Anneva. Steve. Un peu partout, oui. J'étais très content de les voir. Et c'était l'occasion de présenter votre famille honorable à toute l'assistance et il y avait une très belle émotion. Il y avait une très belle émotion, très bon organisateur. C'était bien organisé et ça s'est très très bien passé. Et Lossif Hamani était content de revoir de grandes figures de la boxe algérienne aussi. Oui. Bien évidemment, son frère de toujours, Abdelkader Ould Mahmoudi, qui était champion d'Afrique. Mohamed Ben Gasmia aussi, non ? Oui, il était présent. Il était présent.
était présent. Il y avait Mustapha Latigui, qui était aussi un grand boxeur. Oui. C'était un Oranais. Et content de revoir tout ce beau monde. Bien sûr, j'étais très content de revoir tout ce beau monde. Alors, Mohamed Haouchine, justement, vous parliez un instant de cette belle victoire face à Emile Griffith. Il n'y avait pas que ça, c'est un parcours riche. Il y avait cette participation aux Jeux Olympiques de Munich. Il aurait pu être le premier médaillé s'il n'y avait pas un petit peu l'arbitrage en faveur d'un adversaire. Oui, c'était en 1972 à Munich, ce qu'on appelait à l'époque l'Allemagne de l'Ouest, n'est-ce pas ? Ouais. En 72, effectivement, il a été victime d'une erreur d'arbitrage, sinon il partait pour un podium, au moins, en tous les cas, une médaille. En quart finale. À l'époque, un podium, bien évidemment. On se rappelle, à l'époque, c'était historique, ce fameux commando palestinien qui, à l'époque, n'est-ce pas, avait pris en otage des athlètes israéliens. Et on s'en rappelle, en tous les cas, c'est lié. Mais à l'époque, il était au summum de sa, presque au summum de sa gloire. Il aurait pu aller très très loin, en tous les cas, dans les Jeux Olympiques. Vous savez, dans les Jeux Olympiques, on est toujours victime de l'arbitrage. Surtout en boxe. Surtout en boxe. Ici et là. Voilà, mais si vous permettez, on va revenir avec Lucif Hamani, qui a débuté sa carrière à l'âge de 8 ans, a choisi le roi dans la salle avec le père Tessonnière. C'était votre père spirituel à l'époque. C'est vrai. Hein ? C'est vrai. Racontez-nous un petit peu l'époque dans laquelle vous avez débuté à exercer ce noble art. J'ai commencé, comme il a dit M. Haouchine, j'ai commencé à l'âge de 8 ans chez M. Tessonnière. À 16 ans, quand j'ai fait mon premier combat, les gens étaient éblouis. Allô, c'est pas possible, c'est pas son premier combat. Professeur, c'est son premier combat, vous pouvez le vérifier. Il croyait que j'avais 5 ans, 60 combats avant. Alors que moi, c'était mon premier combat. J'ai fait un magnifique combat. Et l'aventure a débuté, bien évidemment, avec une riche carrière Nordinani. Certainement, il y a beaucoup de choses à dire concernant sa carrière. Ça vous a marqué? On était derrière nos écrans pour suivre les combats de Lucif Hamani. Écoutez, c'est... Et à la Salle Hacha également, le temple. Absolument, c'est à la Salle Hacha, on le suivait partout. Donc, c'était l'Algérie qui boxait donc, à ce moment-là, donc, contre Lucif. C'était Rassam en avant, c'était vraiment la fête, c'était la joie de le voir boxer, on n'attendait que ça. Et puis, donc, on s'intéressait beaucoup à la boxe à cette époque-là. Donc, la télévision était sur tous les combats de Lucif. Oui. Et ça nous faisait vraiment plaisir. Et on voit qu'il est toujours là, qu'il a toujours le sourire, il a toujours, même s'il tapait dur, il tapait dur. Il tapait dur et vous allez voir également surtout l'amour que les gens portent à Lucif Hamani à travers le jubilé organisé samedi, donc avant-hier, à la salle omnisport de Tizi Ouzou. Il y avait de belles choses à vous montrer, comme vous allez le voir à travers le reportage. Il remplissait les salles quand il était sur les rings et il a encore une fois réussi à rééditer cet exploit à l'occasion de son jubilé. Lucif Hamani, la légende vivante du noble art algérien, honoré comme il se doit par les organisateurs de l'événement. Il a été organisé, ce jubilé, pour reconnaître en lui, pour reconnaître l'effort, pour être aussi un exemple pour les boxeurs aujourd'hui, dans la mesure où l'État algérien est en train donc de réunir toutes les conditions pour que cette discipline renaisse de nouveau et Lucif Hamani constitue un exemple à suivre. C'est un grand honneur d'organiser un hommage pour l'ancien boxeur professionnel Lucif Hamani qui a quand même fait effectuer un parcours exceptionnel dans le domaine de la boxe. Et pour planter le décor de cette journée mémorable, l'hymne national, et quand Lucif Hamani écoute Qassaman, ça donne ça. Lucif Hamani, il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. Hein. Beaucoup d'émotions et je suis très très content que les gens m'aiment bien, même moi je les aime bien. Vous vous attendiez à un tel accueil? Non, pas du tout, mais ils m'ont très bien récompensé. Je suis très très content de voir tout ce monde qui m'aime. Et beaucoup de gens qui ont été surtout témoins de la réussite du boxeur à l'image de son entourage familial et de ses amis.
On est très très contente avec toute la famille, des amis, de tout le monde. C'est lourd à porter le nom Hamadi. C'est long, c'est dur parce que chaque fois qu'on est en cabinet, tout le monde nous dit ça va Hamani. Je suis fier de porter ce nom et d'être son fils et de le représenter aussi. On a été ensemble très petite, on était petite, ça, avec ma mère, mon père, et ça là rien que j'ai les larmes aux yeux. On l'a accompagné de tout son long de son combat, on était là. Ma mère surtout, c'était. Lui rendre hommage. Voilà, on est passé sur sa tombe ce matin, on l'a embrassé. Voilà, dommage qu'elle n'est pas là. Un sportif, il ne faut pas qu'il soit oublié, surtout de la sorte de Hamani qui a suivi les foules aussi bien en France, dans le palais des sports. Et vous voyez aujourd'hui, dans cette immense salle, la salle est complète aussi. Et ça, c'est très important pour un sportif, pour son moral, pour son avenir. Et comme la boxe est un noble art, on ne pouvait pas imaginer l'absence des artistes à ce jubilé. On a eu notre lot d'émotions, il nous reste qu'à souhaiter longue vie aux champions. Ah, il est présent avec nous, il est en pleine forme, il nous a rendu visite aujourd'hui pour revenir un petit peu sur son histoire. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir les images du jubilé? Ça m'a fait un grand plaisir d'avoir de me voir comme ça pour mon jubilé. Je vous remercie infiniment. C'est notre devoir et le fait également de revoir la maman Herbi Rahma. Quand j'ai vu la maman, ça m'a donné beaucoup de joie. C'est une mère extraordinaire. Nourdine Hani, je vous pose la question, vous, parce que vous avez presque la même relation avec votre maman. C'est fort comme relation entre un fils et elle est bien reflétée sur ces images. Je pense que s'ils avaient fait un contrôle antidopage à l'époque, il aurait été positif. Hein. C'est la maman qui le dopait à l'époque. Voilà, elle était tout le temps là. C'est elle qui le poussait, on le voyait. Il boxait pour nous tous, mais il boxait aussi pour sa maman. Elle ratait jamais. Hein. Elle ratait jamais les combats. Elle a raté deux combats et deux défaites. Tu as perdu. J'ai perdu deux combats sans que la Hadja était là. Elle n'était pas présente. Alors, c'est quoi cette histoire avec le prénom Lossif? Le prénom Lossif, ça veut dire noir. Très bien. De Berken. De Berken. Oui. Alors, ma mère, elle a perdu 5 enfants. Très bien. Maladie enfantine, la rougeur, la diarrhée. Mon père n'avait pas les moyens d'acheter des médicaments ou d'appeler un médecin. Oui. Alors, c'est des œufs, elle en mettait. Contre le mauvais œil. Contre le mauvais œil, mais quand ils arrivent à l'âge de 3 ans, 4 ans, ils meurent. Alors là, quand j'étais enceinte de. Ma mère était enceinte de moi, on lui a dit il faut l'appeler Lossif. Lossif. Pour le mauvais œil, pour tout. Ils m'ont prénommé Lossif sur les papiers. Et ça avait réussi. Et ça avait réussi. Pendant 15 jours, je faisais que de pleurer. Pleurer. Puis il y a ma tante qui arrive à la maison. Elle a dit à ma mère, le prénom Lossif, ça ne lui plaît pas. Il faut changer Lounis. Lounis. Et ils m'ont prénommé Lounis et j'ai arrêté de pleurer. Donc Lounis et Lossif. Lounis, j'ai deux prénoms, Lounis et Lossif. Très bien. C'est un peu comme Lounis et Tmengelet qui est la mienne. Voilà. Donc un prénom pour vous sauver et un autre pour vous faire arrêter de pleurer. Mohamed Haouchine. Finalement, il y a de quoi écrire un livre concernant la carrière. Pour ne pas dire une encyclopédie, il a fait tellement d'exploits à l'époque. Moi, je voudrais revenir sur un souvenir d'enfance, puisque là, on se fait un plaisir de partager ce beau moment avec tous les téléspectateurs algériens. À l'âge de 8 ans, quand vous avez commencé à vous entraîner en boxe, il paraît que vous le faisiez en cachette de votre père et que c'était votre oncle qui était votre complice et qui vous accompagnait à la salle. C'est vrai, Mohamed, c'est vrai. Mon père ne voulait pas du tout de la boxe. Eh bien. Les anciens
père, la mère, mon... C'était l'école, moi j'étais deux. Moi, je fallait... J'étais surtout là-bas. Je préférais boxer. Alors, j'allais au cachetteur à l'entraînement. Quand je revenais le soir à la maison, je frappais pour qu'il m'ouvre la porte, il m'ouvre pas la porte. Alors je refais, je choisis le roi hors lit, je refais ça à pied, j'allais chez le professeur, je mangeais chez lui, je dormais chez lui. Alors justement, le professeur Tessonnière, qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est un père, deuxième père spirituel. D'ailleurs, Bretonnel, je ne sais pas, vous êtes au courant, Bretonnel, Philippi, Praxel, oui. Jauvert. Exactement. Ils me proposaient de l'argent pour que j'aille bosser chez eux. Je leur ai dit jamais je quitterai mon père. Ça, pour moi, c'est sacré. Il y avait le père Tessonnière et son fils, non? Gérard, oui. Gérard, voilà. Les deux, oui. Et donc, l'aventure a débuté et vous êtes devenu petit à petit un grand champion. On va vous montrer quelques images et ça va certainement vous faire plaisir d'un combat. Le sombrero qui était à la salle, c'était celui de qui? Robles. Donc Robles, le premier des extraits, normalement, c'est grand boxeur. Ceux de Robles. C'était un grand boxeur, il a fait match lui, pas champion du monde. Mm-hmm. Allez, les images, s'il vous plaît, pour les commenter. Voilà. Et il y avait une bonne ambiance à la salle Harcha. Ah ouais, là c'était au Palais des Sports, là. Ah, plutôt au Palais des Sports de Paris. Contre qui est là, Lucif? Robles, d'accord. C'était un combat difficile? Très difficile. Très bien, allez commenter, oui, allez-y. Il faut dire qu'au Palais des Sports, vous étiez chez vous aussi, vous aviez votre public, ouais, à Paris. Oui, mon public. Et le... C'était un gros frappeur. Donc il fallait éviter ces frappes coûte que coûte. Mais on dit que la force de Lucif Hamani, c'est l'esquive aussi. L'esquive, jeu de jambes. Jeu de jambes. Regardez le short, il est tout plein de sang. Oui. Tout en sang. Tout le temps en train de bouger, hein. Tout le temps. J'avais une hémorragie au deuxième round. Au nez? Au nez. Deuxième round, hein? Deuxième round, j'avais une hémorragie. Il m'a touché au nez. Où est-ce que vous avez appris le côté technique surtout? C'est à la salle. Je l'ai appris tout seul. Parce que le patron. Oui, allez-y. Ne m'apprenez rien, c'est venu d'instinct. C'est Hagdan. À la fin du combat. Et c'est allé au terme du combat, donc. Des roules. Des rounds. Battu au point? Je l'ai battu au point. Au point. Mais c'était à l'époque un bel exploit. Robles, qui était de quelle nationalité, Lucif? Américain d'origine mexicaine. Mexicaine, voilà. Voilà, de belles images que nous voyons grâce à nos amis des archives. Un autre combat qui n'a pas duré plus longtemps que le premier. Vous allez voir avec un boxeur belge, c'était ici à la salle Harcha, qui a fait également le plein. Les images, s'il vous plaît. Voilà, ça va partir. Voilà, ça va venir. Kama Yembari. Et notre ami Dekar au commentaire. Ah, il est touché au foie, il refuse de boxer. Il a refusé de boxer. Qui s'y frotte, s'y pique. Bah oui. Et ça va certainement faire plaisir à votre fils Rachid, qui a été champion méditerranéen, champion d'Afrique, et qui n'est pas ici aujourd'hui. Samir également, qui était à la salle, il est entraîneur. Il est entraîneur. Il a grosse ressemblance avec vous également. D'ailleurs, Rachid, il boxe le 6 décembre à Singapour. Mais je t'avais dit... Lucif, à l'époque, j'étais à Pescara, personnellement. Et j'ai vu Rachid avant la finale, les Jeux Méditerranéens de Pescara en Italie. Je dis, n'oublie pas que tu es le fils de Lucif Hamani. Et je sais que ça lui a donné des frissons. Il a fait un magnifique match. Nordin Hani, à l'époque, les années 70, c'était pratiquement difficile de rivaliser avec les autres sports. Il y avait une équipe nationale de handball, il y avait le vent en poupe, il y avait le football, il y avait plein de disciplines, l'athlétisme, il y avait Rahoui. Donc Hamani, c'était à l'époque déjà, il était... C'était une exception, hein. Lucif, c'était une exception. D'abord,
il nous a raconté comment il est arrivé à boxer, donc il se cachait pour aller boxer, il n'avait pas les moyens. C'est difficile de faire une carrière de boxe quand on n'est pas suivi. Quand... Maintenant, les boxeurs qui sont venus après Lucif, il y avait une fédération, il y avait un ministère, il y avait des gens qui étaient derrière. Lui, il était seul. Il y avait un père de Tessonnière qui l'aidait, mais je pense qu'il permet la boxe. Discipline qui est très dure, qui demande beaucoup d'entraînement, qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de privations. Dès que j'arrive à la maison, je trouve du couscous, pas le moment, je prends une cuillère et je sors. Et pour le poids. Pour ne pas prendre gagner poids. En poids. Ah oui. Il y avait également un acteur français qui était derrière vous, il aimait venir vous voir, surtout dans la salle à Paris, il s'agit d'Alain Delon. Alain Delon, Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. D'ailleurs, c'était prévu pour mon jubilé, j'étais prévu qu'il vienne à Alger. Oui. Il y a 2-3 ans. Très bien, donc. Il voulait venir, ça ne s'est pas fait. Le jubilé qu'ils m'ont fait samedi, il ne pouvait pas venir, il était malade. Et en parlant d'Alain Delon, est-il vrai qu'en 1980, il vous a aidé, que c'est lui qui avait financé votre voyage aux États-Unis? C'était lui, tu as raison, Mohamed. C'est lui, hein? C'est lui. Ah, Alain Delon, oui, c'est ce qu'on dit. Ouais, pour dire que Youssef Hamani était très suivi par non seulement le monde sportif, mais surtout le monde des artistes. Martin, si vous permettez, juste avant qu'il soit professionnel, je voudrais rappeler que Youssef Hamani a été champion d'Algérie amateur en 1969. Ensuite, il a fait une médaille d'argent aux Jeux méditerranéens d'Izmir en Turquie en 1971. Puis médaille d'or aux Jeux africains de Lagos en Nigeria en 1973. Et une médaille d'or aux Jeux méditerranéens en 1975. C'était l'amour du pays. Vous avez défendu les couleurs nationales, Youssef. Hein, J'ai défendu les couleurs nationales, j'ai haussé le drapeau EFO. D'ailleurs, quand j'entends Kassanem, je pleure. Ah, c'est ce qu'on a vu à la salle de l'Utizi. Parce que le moment, on s'est moujahida, condamné à mort 2 fois, 2 ans de prison ferme. Rabbi Rahma, oui. Ils sont morts pour l'Algérie. Donc c'est pour ça que... C'est pour ça que je pouvais pas me naturaliser français. Il y a impossible. Beaucoup de choses qui remontent. Tout en rappelant que Youssef est originaire du village d'Igoufeuf, dans la commune d'Aït Yahya. C'est vrai. Derrière d'Aïn El-Hammam, et Igoufeuf a donné beaucoup de shuhada à la Révolution. Beaucoup de shuhada à la Révolution. Et vous avez 69 ans aujourd'hui, et on vous souhaite longue vie, bien évidemment. On va vous laisser un petit peu vous reposer. Je sais que vous aimez les autres sports. Le principe de notre émission, c'est de traiter les sports sauf le foot. On vous a pas proposé de boxer pour une autre nation? Pour la France, par exemple. Plusieurs fois. Le préfet du Val-de-Marne me suivait comme un chien. naturaliste français. Puis Guillaume qui fait dans mon cœur, il dit jamais je me naturaliserai français, jamais. Avec des parents. Aux Jeux Olympiques de Munich. Quand j'ai perdu contre l'anglais Alain Minter. Que j'avais largement battu. Il y avait le coup de septembre noir. Les Palestiniens, ils ont tué un juif. Ils m'ont déclaré battu. Il est venu voir au vestiaire. Il m'a dit, petit, si tu étais français, t'aurais eu la médaille. T'aurais gagné ce soir. Et il paraît même que vous étiez à l'époque transformé en fantôme lorsqu'on a fait appel à vous pour un match de préparation. Sparring partner de Carlos Monzon. L'Argentin. Pendant Cyrone, il n'a pas touché d'un gauche ou d'une droite. Oui. Quand on a fini, ils l'ont questionné. Ils ont dit la prochaine fois que je viens à Paris, amenez-moi un boxeur. Pas un fantôme. Youssef Hamani, c'est un fantôme. C'était vrai, l'art d'esquiver. C'est vrai. L'art d'esquiver. C'était un grand champion, Carlos Monzon. Vous avez des amis handballeurs, certainement. Oui, bien sûr. Vous avez suivi le handball et. Les exploits sportifs en matière de handball. Transition toute faite pour parler de handball. On va vous laisser un petit peu vous reposer. Notre spécialiste de handball, M. Nourdine Hani, qui a été déjà entraîneur national. C'est avec un grand plaisir qu'il partage avec nous chaque lundi des moments dans 52 chronos pour parler de sa discipline chère. Et le championnat, 5e journée, dominé encore une fois par une autre défaite du GS Pétrolier, Nourdine Hani. Ah oui, donc c'est dans le groupe B, là.
Rien ne va plus pour le groupement sportif des pétroliers. Donc ils revenaient d'un championnat arabe. Ils ont perdu contre Tejnet. On s'est dit c'est une surprise. Ils n'ont pas récupéré de leur voyage. Ensuite, ils ont fait un match difficile contre Milaï, qu'ils ont battu d'un petit but. Mais là, cette fois-ci, ils recevaient Annaba, une équipe. Ça fait 2 ans qu'ils sont au niveau d'excellence. Annaba, une ville de handball qui avait disparu, qui est revenue ces derniers temps. Elle est entraînée par deux anciens du GSP, qui jouent au GSP, Hicham Boudrali et Loukil Abdelrani, deux anciens de l'équipe nationale. Et donc, ils ont relancé le handball à Annaba. L'avantage qu'ils ont, c'est des joueurs du cru. Tous les joueurs ont été formés à Annaba. Et donc, ils ont commencé timidement le championnat. Et cette fois-ci, à Bordjelkifen, ils sont venus et ils ont amené le pion à cette grande équipe du GSP. Une équipe du GSP où rien ne va plus. Rien ne va plus. Ça va se confirmer à travers les images que nous a ramenées le caméraman Enor Dinhani à travers son reportage. Victoire belle et nette et sans bavure pour l'équipe de Annaba qui s'est imposée chez le GSP. Reportage. Le groupement sportif des pétroliers, en accueillant l'OM Annaba, avait pour objectif de retrouver sa verve d'antan devant une jeune équipe de Annaba qui avait débuté timidement le championnat. De sursaut, il n'y en eut point et Annaba, avec ses jeunes joueurs du cru, et notamment 2 joueurs qui vont dominer leur sujet, le gardien de but intraitable dans ses buts et le jeune Lucif, 22 ans, qui après une longue absence due à une blessure, revient en force et frappe fort contre les pétroliers. ما كنتش لونغري ماتش هكاكا صحابي كتر خير صحابي هما اللي خدموا باش جاتني سهله لورا الحمد لله جبنا لا فيكتوار هذه وان شاء الله نزيدوا نلعبوا باش نطلعوا البلاي اوف ان شاء الله وان شاء الله تكون سهله مع الوقت ان شاء الله كنا خيط في يد واحده على هذا تقلبنا عليهم مباراه كبيره الله يحفظك قالوا لي كنت مصاب وعاود رجعت ايه الدوزيام ماتش هذا كنت بليسي طاح لي ليبول. La première mi-temps sera équilibrée entre les 2 formations. En seconde période, on s'attendait à un réveil du pétrolier, mais les jeunes du duo Boudrali-Loukil, 2 anciens joueurs du GSP, vont s'accrocher et se battre d'égal à égal. Même à 3 sur le terrain en fin de partie, ils réussiront à conserver leurs 2 buts d'avance et terminer la partie victorieux. Le départ de Abdelmalek Slahdi et la blessure de Benmeni Abdallah sont-elles une raison de la baisse du régime du GSP? Slahji, c'est une valeur sûre. Il est parti, c'est vrai. Ajoutons à ça ma blessure, des lauriers qu'on n'a pas pu, que l'équipe ne s'attendait pas à ça, rester sans 2 gardiens. Je pense que Islam essaye de faire le maximum pour aider l'équipe. Et j'espère que l'équipe va l'aider aussi pour surmonter tout ça. Une remise en question des pétroliers est impérative s'ils ne veulent pas sortir de la course au titre. Déjà, c'est la 2e défaite de ce premier tour, chose qui n'est pas habituelle chez nous. J'espère que c'est vraiment juste une période, surtout après la Coupe arabe où l'équipe a eu beaucoup de blessés. Déjà, on est 5 dans les tribunes, 5 joueurs blessés. C'est quelque chose qui use l'équipe. Mais je pense que l'équipe a le mental et la qualité, que ce soit du staff technique ou bien des joueurs, pour revenir en force, Inch'Allah, pour les prochains matchs du championnat. Annaba, ville de handball, avec une jeune génération et un duo d'entraîneurs, d'anciens internationaux, redonne de l'espoir à toute une ville. Avec un ténor, GSP, il fallait pour notre jeune équipe réagir après les 2 mauvaises performances qu'on a subies les 2 dernières journées. Chose qu'on a faite avec brio. Je tiens à féliciter déjà le GSP pour leur match et notre équipe pour cette performance. J'espère qu'on va faire une bonne saison. On est en train de bâtir quelque chose de solide en matière de handball dans la ville de Annaba. J'espère qu'on continuera à produire des joueurs et à produire aussi des beaux jeux comme aujourd'hui. Voilà, bravo encore une fois à cette équipe de Annaba qui a battu le GSP.
qui sur les papiers, sur le papier pourtant était favori. Et un autre fait marquant également, le sans faute de Tejnet, Nordinani. Oui, Tejnet, une équipe qui avait du mal à démarrer avec les problèmes financiers qu'elle avait, qui avait failli déclarer forfait lors du match en début de saison. Et puis Tejnet qui se reprend, 5 victoires d'affilée. Donc 5 matchs, 5 victoires. Elle est première, cette fois-ci, elle a été battue à Ouattelilet, un nouveau promu, mais qui joue bien quand même, 28 à 24 à Ouattelilet. Faut le faire, donc Tejnet qui est en train de confirmer. Skikda est toujours en seconde position à 2 points de Tejnet, puisque Skikda avait perdu contre Tejnet la semaine dernière. Cette fois-ci, Skikda n'a pas fait de détails devant le dernier, l'Olympique d'Elouette, 28 à 19. Et puis, Brakhe s'est un peu repris, mais a perdu quand même face à Mila d'un tout petit but, 22 à 21. Ça, c'était pour le groupe B. Pour le groupe A, le fait marquant, c'est qu'il y a deux équipes qui sont en train de dominer, deux équipes qu'on n'attendait pas. Tout d'abord, l'inattendu JS Saoura, qui avait des problèmes la saison dernière. La Saoura, qui fait 4 victoires et 1 nul. De même que Batna, qui avait été championne d'Afrique en 1995. Elle avait disparu de la circulation, Batna, et elle est revenue, elle a remonté tous les paliers cette année en excellence. Et elle occupe la première place en compagnie donc, de Saoura. Les deux équipes recevaient. Saoura a battu Chelroum El-Aïd 24 à 19, alors que Batna a battu le dernier, Arze, 30 à 24. Un tout assez repris après son nul face à Batna donc, la semaine dernière chez elle. Elle a été battre le Mouloudia de Saïda où rien ne va plus. Là aussi, c'est un problème de finances. De toute manière, tous les championnats des sports collectifs, c'est un problème de finances. On met beaucoup d'équipes et les équipes n'ont pas de moyens. Un championnat à 20 clubs en basket, un championnat à 16 clubs en handball, et les clubs n'ont pas les moyens. Alors quand il y a une autorité de la ville qui peut financer le club, ça marche, ça tient. Dès qu'il y en a un qui n'aime pas le sport, et le club disparaît. Donc c'est tout à fait. Donc en plus, en National 2, on va faire un groupe à 3 groupes. Un du centre, un de l'est, un de l'ouest. On va faire rire M. Lostif Hamani et Mohamed Haouchine, puisqu'ils sont de Tizi Ouzou. La JSK a été mise dans le groupe centre-ouest. Incroyable. Un comble. Période de déplacement pour Mohamed Haouchine. Alors qu'on avait fait, on a fait cette formule pour que les clubs ne dépensent pas. C'est vrai qu'au centre, il n'y a que des équipes du centre. Elles vont jouer là sans se déplacer. Tu prends le tramway, tu prends le métro, tu peux aller jouer ton match. Alors que la JSK, à la limite, on la met dans le groupe centre ou dans le centre-est. Elle est dans le centre-ouest. Elle va jouer contre Adrar. Elle va jouer contre Marnia. Le championnat débutera cette semaine, normalement. S'il y a un championnat, puisque les salles sont réquisitionnées. Donc, ça m'étonnerait. Déjà, au niveau du basket, on a envoyé les reports. Alors, le plaisir, c'était surtout à Burj Khalifa de retrouver Benmeni Abdallah, oui, le gardien du GSP. Benmeni qui s'était fait opérer donc, du tendon d'Achille, qui a disparu de la circulation. Un gentil garçon, toujours disponible. Un grand gardien également. Et qui a bien voulu donc nous donner de ses nouvelles. On va l'écouter. On va écouter Benmeni. Et où on est donc Benmeni donc après cette longue absence? Ça fait déjà 2 mois que je me suis fait opérer d'une rupture du ligament croisé antérieur. Alhamdoulilah, maintenant j'ai repris la marche, je fais le renforcement. Là, je suis à 2 mois, j'attends encore de faire le test le mois prochain pour savoir encore combien de temps ça va prendre mon absence des terrains. On espère un retour rapide pour le gardien Abdallah Benmeni, surtout pour l'équipe nationale, quoique les championnats d'Afrique prévus le 16 janvier sont juste là, donc c'est la date c'est pas très loin en matière de disponibilité. C'est Abdallah Benmeni sera prêt ou pas. Alors, on quitte le handball pour parler cette fois-ci de goalball en e-sport. Donc, premier match de la saison, retour sur cette rencontre à Boufarik. Donc, avec ce commentaire signé Sofiane Hamoudi. Le premier tournoi de la Super Division 2019-2020 du goalball s'est déroulé à Boufarik en présence de 8 équipes. Le goalball se joue en silence, dans le noir, derrière un masque. Aujourd'hui, cette discipline prend de l'ampleur chez les non-voyants. Cette Super Division goalball première phase s'étale sur 5 tournois nationaux dans divers lieux.
c'est le premier tournoi, parce que le championnat s'échelonne sur deux phases. La première phase, c'est 5 tournois nationaux, dont les clubs vont jouer en aller-retour. Et la deuxième phase, les deux derniers rétrogrades en National 1, et les 4 premiers vont jouer pour le championnat d'Algérie, un play-off à 4. Est-ce que peut-on dire que Lyon a des nouvelles équipes qui adhèrent au sein de cette club? Oui, chaque année, c'est un sport qui est prisé par les... Oui. On a Ouargla, on a deux ou trois clubs de Sud. Seulement, il y a une difficulté financière. Ce qui laisse, mais est-il que l'année passée, on avait 42 clubs dans les trois divisions, Super Division, National 1 et National 2 avec Est-Ouest. Et la Nationale féminine. Je vous le dis, la faiblesse du goalball, c'est au niveau du sport féminin, goalball féminin. C'est les parents qui n'adhèrent pas à ce que leur fille, qui est visuelle, se déplace. Le match n'a pas été de tout repos pour les deux équipes qui ont terminé le match 11-7 entre le Raj et le Wef Blida. L'autre match, c'est entre l'équipe Union éducative de Biskra et le Nord de Blida, où le match s'est terminé 2-12. يعني الحظ لينا مادام حنا متحصلين على البطوله الوطنيه يعني في النظام نتاع الفيدراليه تاعنا يخليك دائما اللي يكون في المرتبه الاولى هو اللي يحتضن لعبنا الماتش نورمال وبريمي ماتش تاعنا دائما فيه الخوف والحمد لله فزنا ب 12 بزوج والفضل فضل هذا كاع اللي لونترينور تاعنا هو اللي كان يقيدي فينا من برا اول فريق من الجنوب الجزائري ومثل الصحراء اللي تمكن من الصعود الى قسم ممتاز كون اننا تحصلنا على البطوله الموسم الماضي في القسم الاول ولنا شرف كبير اننا سنارنا نلعب مع فرق كبيره شاركت في القسم الوطني الثاني القسم الوطني الاول Ce sport qui se joue avec une équipe de 3 joueurs non-voyants où chacun porte un masque spécial sur les yeux pour se protéger de la balle. Ce ballon est en caoutchouc contenant des clochettes permettant aux joueurs de le localiser. C'était un retour sur ce premier match de la saison. On quitte le goalball pour passer cette fois-ci au basketball féminin. Un beau derby à la salle de Hydra entre les Olympiennes qui sont à la recherche de leur lustre d'antan face aux vice-champions d'Algérie, les USNDN HDM, entraînés par Mokran Ben Abbas. Retour sur ce match avec cette couverture signée Linda Taboul. Après leur participation au 32e championnat arabe des clubs de basketball tenu à Meknès, au Maroc, les protégés de Mokran Ben Abbas ont repris de fort belle manière le championnat d'Algérie en gagnant le premier match face à l'Olympique Club d'Alger. Dès l'entame du match, l'OCA ouvre le score avec les 3 points de Guichy, ce qui a permis à ses camarades de prendre confiance et élargir l'écart face à un adversaire qui était loin de son niveau habituel. Le premier carton s'achève sur le score de 19 points à 13 pour l'équipe adverse. Pendant la deuxième et la troisième manche, on a assisté à un retournement de situation suite au sursaut d'orgueil de Sindey Marine, qui a réussi à creuser l'écart en le portant à 54 face à 38 points. Durant le dernier carton, le HDM a réussi à contrôler le match, ce qui a fait perdre à l'OCA de nombreuses balles. Cela a permis aux camarades de Gamefoot d'accentuer leur avantage à 10 points d'écart. Score final 72 à 62 points. Bon, je peux vous dire une chose, notre équipe, on a parlé sur ça, c'est parce qu'il y a un petit relâchement de notre part, parce qu'après notre retour du championnat arabe, je sais que les athlètes en général, il y a la fatigue, il y a eu beaucoup de choses, ce qui s'est passé au niveau du championnat arabe.
Donc on s'attendait à ce petit relâchement. Et le plus important, c'était qu'il fallait gagner ce match. On l'a bien géré, on l'a gagné. À la fin, le fariq taali, l'yom, dar mokabela fil mustawa. La cause, il y a nox tahdir, mahadarnaj jayiden. Hna mabdinaj la saison bikri, bdina, ça fait déjà un mois. Adna 20 séances d'entraînement. Le bnat makanush mthadrat. Nox le badani, huwa kan le fariq bina ou bina, huwa lidan le fariq. بيننا وبين فريق بحرية حسين داي. Belle victoire des UCNDN de 10 points de différence. Voilà, deuxième partie de l'émission. Je rappelle aujourd'hui que nous recevons donc Monsieur Lossif Hamani, la légende vivante de la boxe algérienne, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous. Dans la première partie, on est revenu sur le début de sa carrière et surtout les moments forts que tous les Algériens ont partagé avec lui. Pur produit, on va dire, de la boxe algérienne, quoique vous ayez fait une bonne partie de votre préparation en France. Est-ce qu'on peut dire que quand on se base, quand on revient, quand on se fie aux propos de Nordine Hani, on a vu que beaucoup de sportifs se plaignent aujourd'hui. Est-ce que la prise en charge était meilleure dans votre époque du sportif? Est-ce qu'il y avait une meilleure prise en charge? Effectivement, il y avait une meilleure prise en charge pour les boxeurs immigrés. On était pris, logés, nourris, et ils nous ont donné de l'argent de poche. Donc c'était l'époque de la réforme, les fruits de la réforme, on va dire. Alors que maintenant, les jeunes boxeurs n'ont aucune aide. Une ressource. Aucune ressource auprès de la fédération de boxe algérienne, il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'organisateur. Alors c'est pour ça que la boxe, elle coule. À regretter. Je voudrais rebondir sur ce que tu es en train de dire. Est-ce qu'on a utilisé votre expérience au niveau de la fédération de boxe? Est-ce qu'on vous a sollicité pour les aider? On m'a ni sollicité, ni téléphoné, ni convoqué. Voilà les problèmes. Je répétais ça plus de 1000 fois. Et ce qui m'a touché lors du jubilé, c'est que vous avez carrément tendu la main au président de la fédération et à la fédération d'une manière générale. Et le président de fédération était sur place. Donc certainement, vous voudriez apporter de l'aide à cette discipline. Bien sûr, je vais apporter de l'aide. J'ai vécu et appris, je veux le donner à d'autres champions. Il y a une grosse pépinière de champions en Algérie. D'ailleurs, tous les champions du monde que la France a eu, ils sont tous sortis d'Algérie. Prenez Massal Sadan, Robert Cohen, Alphonse Alimi, Chérif Hamia. C'était tous des grands champions. Il y a des traditions, oui. Qui sont sortis d'Alger, pas d'autres pays. Je pense que là, l'exemple est frappant. J'arrête pas de dire qu'on a fait des textes, des lois, et on a éliminé des véritables acteurs des disciplines pour mettre des trabendistes au niveau des assemblées générales. C'est eux qui décident pour l'avenir de toutes les disciplines. Et des gens comme Lossif Hamani, comme Aziz Darwazan de Baal, comme beaucoup d'autres, sont... marginalisés, ignorés. Voilà, ils sont ignorés et c'est pas normal. Je rappelle, puisqu'il y a absolument Lossif Hamani qui est là et qui nous ramène la preuve, qui nous confirme que tout ce qu'il a fait, Lossif Hamani, vous allez demander à n'importe quel Algérien, je connais Lossif Hamani, disons les gens qui sont beaucoup plus âgés, et je pense que les parents parlent à leurs enfants de Lossif Hamani. Et on ne lui demande pas son avis à la fédération de boxe. Mais normalement, on lui fait une statue dans la fédération de boxe. Et c'est ça le véritable problème de toutes les disciplines et de la boxe. Parce que la boxe, il ne faut pas oublier que c'est la boxe qui a donné la première médaille aux Jeux Olympiques. C'est la boxe. Zawi et Moussa. Zawi d'abord. Juste après le même. À ce propos, je voudrais apporter d'eau au moulin et puis confirmer ce que vient de dire Nordine. Lossif Hamani doit se rappeler d'un boxeur de Tizi Ouzou, Ali Mebarki,
qui a été champion d'Algérie 5 années consécutives, qui a fait les Jeux Olympiques de Mexico 1968 avec le Constantinois Labiot. Vous savez qu'il vit en France et qu'il aurait voulu donner bien de son vécu, de son expérience, bien évidemment, la fédération. Vous savez qu'au niveau de la Fédération algérienne de boxe, ils n'ont jamais entendu parler de Mebarki, alors que c'était lui aussi, il avait son nom. Oui, c'est un grand boxeur. Un grand, je dis, 5-6 années consécutives champion d'Algérie en poids coq à l'époque. Ouais. À l'époque. Ouais. Et l'un des moments forts de Losif Hamani, c'était cette belle victoire, n'est-ce pas, que vous avez assisté, donc Mohamed Haouchi face à Émile Griffith. Ah, il doit s'en rappeler, notre ami Losif. En 1976, c'était au Palais des Sports. Hein, ouais, au Palais des Sports à Paris. C'était au Palais des Sports. Hein, Palais des Sports, voilà. Il y avait du beau monde, il y avait Alain Delon, il y avait Jean-Paul Belmondo, il y avait Jean-Claude Boutier, grand boxeur français qui était deux fois champion d'Europe, n'est-ce pas, qui a beaucoup d'estime, de respect pour vous. Et ce soir-là, Lucif, je le dis avec beaucoup de fierté, j'ai la chair de poule, il a étalé toute sa classe pendant tout le ring, il a tournoyé l'Américain qui était un cogneur, il essayait bien évidemment, et là je peux vous dire qu'il l'a rendu fou le soir. Ce soir il a roué de coups et la salle, vous avez enflammé ce soir le Palais des Sports à Paris. Hein, il rate aucun détail, aucun combat. Mais c'était une soirée mémorable. Ah ouais, mémorable. Et Griffith, c'était pas n'importe qui, hein? Ah oui, il a été 10 fois champion du monde. Il a tué 2 sur le ring, je crois. Tellement c'était un cogneur. Ah ouais. Et juste après votre combat, il a boxé qui? Il a boxé un Américain. Il a eu une victoire. Il a été battu difficilement au point par Carlos Monzon à Monaco. C'était un très, très, très grand boxeur. Et en rencontrant l'Algérien, Lucif Hamani, certainement, qui ne s'attendait pas à tomber sur un os. Ah ouais, il croyait me manger comme un sandwich. Comme un sandwich. Ça n'a pas été le cas. Lucif Hamani, quand on remémore un petit peu ces belles parties de votre carrière, qu'est-ce que vous regrettez en fin de compte? Bon, moi, je ne regrette rien. Bon, j'ai regretté. Ouais. De ne pas être champion du monde. Voilà, surtout. Ah bah parce que je vous rappelle comme Munich. Oui. C'était, il y avait les Palestiniens et les Juifs. Du commando palestinien, oui. Et quand j'ai fait le champion du monde contre Marvin Hagler, il y avait... Vous avez été menacé, non? J'étais menacé. Non, j'étais menacé. Et ils m'ont changé les juges, ils m'ont changé l'habit, ils m'ont changé l'endroit. Les coulisses, oui. Il y avait... Vous étiez bien préparé pour ce combat face à... Non, je n'étais pas préparé. Je suis resté 3 ans et demi sans boxer. Ouais, exactement. Moi, je voulais dire que c'était 3 ans, tu étais un peu la fin de carrière. 3 ans, tu n'as pas eu de gala, que c'était mal préparé, mais on vous a accordé cette chance. Et puis que le combat, le championnat du monde, le fameux championnat du monde, c'était en 1981, qui était prévu au Madison Square Garden, à New York, et ils ont changé la dernière minute. On vous a programmé à Boston. Boston, ouais. Il faisait moins 10, moins 15 de température. À l'époque, oui. Mais sinon, une carrière que vous ne regrettez pas, malgré un petit peu le fait de ne pas avoir eu le titre mondial. Non, j'ai rien à regretter. Puisque il m'a battu. Il m'a battu, j'étais hors de moi. Je n'avais pas boxé pendant 3 ans, mal préparé, ils m'ont menacé, ils m'ont changé les juges, l'arbitre et l'endroit. Lucif Hamani, les frères Akariès, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, c'est des amis intimes. Oui. Louis et Michel. Tu étais boxeur? Oui, Louis Akariès, il ne m'a jamais voulu me rencontrer. Jamais il a voulu me rencontrer. Il m'a toujours évité. Voilà. Il m'a toujours évité. Les frères Akariès, qui sont des fils de Bab El Oued, ils sont nés à Alger, il faut dire, dans la guerre d'Algérie. Leur père, dans les années 50, organisait des combats de boxe ici même à Alger. Il y avait de belles traditions à l'époque. Hein. Pardon? Il y avait de belles traditions. Oui, de grandes salles de boxe, et que les amateurs de noblard à l'époque, stylistes, les cogneurs. Et là, je confirme que Louis Akariès, le français, qui a été champion d'Europe de France, à deux fois. D'Europe deux fois. A tout fait pour vous éviter durant son itinéraire. C'est vrai, il a tout fait pour m'éviter. J'aurais voulu le boxer à l'époque? J'aurais bien voulu le boxer. Ah, Lucif Hamani n'a peur de personne. De personne.
Il n'a pas invité, c'est les autres. D'ailleurs, les Américains, ils ont tout fait pour me casser. Ils ont envoyé Robles, Emil Griffith, David Love, Mel Delis, qui c'était un grand frappeur. Ils me l'ont envoyé pour me déterraliser, et c'est moi qui l'ai envoyé à terre. Finalement, il est tombé KO. Il est parti un petit peu... Voilà, c'est avec un grand plaisir qu'en tout cas qu'on revient sur votre riche carrière, Losif Hamani. Il nous reste 5 minutes à peu près pour terminer cette émission. Un petit peu les responsables de la wilaya de Tizi Ouzou et ceux de la DGS vous ont honoré samedi comme il se doit. Peut-être un message pour eux. Bon, moi, je leur remercie infiniment pour le Wali. Oui. Le secrétaire général, ils ont fait de tout pour me faire les jubilés. Ça s'est passé dans des conditions normales. Il y a eu un monde fou. En présence de votre famille. Voilà, en présence de ma famille. Mais moi, je pense que Losif Hamani mérite un jubilé dans toutes les villes d'Algérie. Parce qu'il a représenté l'Algérie, Losif Hamani. Oui, il doit avoir un jubilé à Oran, à Naba, à Constantine, pas uniquement à Tizi Ouzou. Permettez, Mourtad Hamani, juste une petite facette qu'on a voulu en parler, bien évidemment, ce soir, c'est qu'après sa carrière, tous les Algériens savent, peut-être certains ne le savent pas, que notre Losif Hamani a été diplomate pendant des années après. Hein. C'est vrai. Pendant que j'étais aux affaires étrangères, c'est le président de la République qui m'a recruté comme diplomate. À l'époque. Et votre supporter number one, à l'époque, c'était le défunt président Awali Boumediene. Ouais, c'est ça. Vous avez exercé où comme vice-consul? J'ai exercé à Vitry. Oui. Strasbourg. Tunis également. Tunis. Oui. Aubervilliers. Vous êtes aujourd'hui retraité des affaires étrangères. Hein. Toujours. Voilà. Autre chose, vous avez transmis cet amour du noble art à vos enfants, Rachid et boxeur professionnel, Samir. C'était à quel moment de leur vie, on va dire, qu'ils ont choisi à faire de la boxe? Ils ont choisi de faire de la boxe très jeune. Rachid et Samir, ils ont boxé à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans. En voyant d'écouter Samir dire que c'est lourd à porter le Nohamani, c'est sûr. Vous ressentez vous, en tant que papa? Non, mais pour porter le nom de Lucif, c'est très dur. D'ailleurs, pour moi. Vous avez placé la barre très haute. Bah oui, très, 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 très haut. Mais il vous a honoré, Rachid, gagnant le titre méditerranéen, le titre africain également. J'étais très content. J'étais très content de sa victoire. Il pouvait faire mieux? Bien sûr qu'il pouvait faire mieux. En tout cas, c'est un grand plaisir, hein, Mohamed Haouchine, de revenir sur. Cette belle carrière, Nordinani, oui. Je pense qu'on a trop tardé pour se rappeler de Losif Hamani. C'est un nom qui ne s'oublie jamais normalement. Il doit être toujours présent. Il doit être dans les grands événements, dans tous les grands événements. La Fédération de boxe, je le dis et je le redis, doit s'imprégner de cet homme, de son expérience, de son vécu. Il peut ramener beaucoup de choses. On a des jeunes boxeurs qui sont bien, mais qui ne sont pas bien suivi. Lucif peut leur amener beaucoup de choses. Et je pense que c'est la fédération qui sera gagnante. Ce sera ni Lucif, parce que lui, sa carrière est derrière lui. Mais il peut ramener, donner quelque chose aux jeunes Algériens. Donc je pense qu'il faut appeler quelqu'un comme Losif Hamani et ne pas faire des jubilés comme ça de temps à autre. C'est quelqu'un qui a porté dignement les couleurs algériennes, qui a fait vibrer tous les Algériens, du moins de notre époque. Tout le monde vibrait, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas oublier, et ne pas faire seulement une petite fête, mais faire que ce soit vraiment une grosse pointure, une grosse stature, pas de la boxe, du sport algérien. Et je dois dire que si les responsables de la Fédération algérienne de boxe ont oublié quelque peu, il faut le dire, il a bien fait le rappeler, en tout cas Nordin Hani, Losif Hamani, en tout cas, le peuple algérien n'a jamais oublié son champion. La preuve, Losif Hamani ne peut pas marcher aisément à Alger, à Tizi Ouzou, à Oran. Il est tellement accosté par tous ceux qui l'ont adoré hier à peine. Juste pour lui dire, je suis venu en taxi pour assister à l'émission. Taxi, qui me connaît un petit peu,
m'a dit, vous recevez qui? J'ai dit, Youssef Hamani. Oh, c'est devenu aller bizarre. Ça fait plaisir. Vous êtes adulé du peuple. Un dernier mot à toute la population, c'est pratiquement la dernière minute de l'émission. Youssef Hamani, encore je remercie tous les Algériens qui m'ont supporté, qui m'ont aimé. Oui. Je leur dis, je vous souhaite bonheur et santé à tous les Algériens. Voilà, bonheur et santé à tous les Algériens. C'est le message de Youssef Hamani, le grand champion en boxe. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Mohamed Haouchine d'avoir fait le déplacement. Énorme votre plaisir. Votre présence aujourd'hui a été importante à plus d'un titre. Nordine Hani. C'est une encyclopédie vivante, ambulante, Mohamed. Voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7 pour leur dévouement et surtout pour la préparation de l'émission. À leur tête, la réalisatrice Wafa Al-Rawati, le script Fodil Nordine. Rendez-vous lundi prochain, toujours même heure, à partir de 16h, durant la période électorale. Donc, à lundi prochain.